Moi, j'ai participé à cette commission des finances et, comme la plupart de mes collègues, j'ai absolument été indigné par les propos que vous venez de diffuser. Je voulais prendre la parole au sujet des AESH. Vous oubliez, chers collègues, que la vie, elle est faite de choix et que moi, personnellement, je connais beaucoup d'AESH. Ce sont des mères qui ont arrêté de travailler à une époque pour s'occuper de leurs enfants. Elles choisissent ce statut pour avoir les mercredis, les vacances scolaires, et elles assument, c'est un choix, voilà. Et elles sont heureuses de ce qu'elles font, arrêtez de victimiser les professions. Je crois qu'ils sont la preuve de la déconnexion de la Macronie avec le monde du travail, et en particulier avec le monde du travail populaire. Voilà, dans ce pays, le temps partiel, c'est un fléau. Et aux deux tiers, et là, je ne parle pas de qui j'ai croisé dans la rue dernièrement, je parle des statistiques officielles, aux deux tiers, le temps partiel dans ce pays, il est subi. Et même plus précisément, aux deux tiers, il concerne des femmes. Et ça fait des salaires qui sont très faibles. Les AESH, la plupart d'entre elles, ont un salaire qui est en dessous du SMIC. Et une des conséquences de ce temps partiel subi et de ces salaires faibles, c'est à la fin de la vie, une pension de retraite qui est elle aussi extrêmement faible. Vous le savez peut-être, les pensions de retraite des femmes sont 40% en dessous des pensions de retraite des hommes en moyenne. Donc on est en plein cœur là d'une des difficultés du monde du travail populaire. Et malheureusement, cette députée macroniste, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais elle a fait la preuve de sa déconnexion d'avec tout ça. La vie est faite de choix. Vous reprochez à la fois, si je peux me permettre, la forme et le fond. C'est-à-dire que c'est la situation de cette personne, ses accompagnantes, et la forme de ce qu'elle dit, déconnectée de la réalité. C'est bien cela, si je devais résumer ? Oui, il y a un grave problème de fond, puisque le métier d'AESH est un métier essentiel. Vous savez, nous n'avons pas assez d'AESH dans ce pays. Il y a des enfants en situation de handicap qui, pour leur inclusion scolaire, ont besoin d'un accompagnement d'une AESH, mais qui n'en bénéficient pas parce que l'éducation nationale n'arrive pas à recruter, à cause de la précarité de ce métier, du temps partiel, des faibles salaires, de tout ce que je viens d'expliquer. Donc, à la fois sur ce métier-là, la véritable réponse, et le gouvernement devrait l'apporter, c'est de dire... Il faut titulariser les AESH, il faut un temps plein, il faut un salaire correct. Nous, la France Insoumise, nous proposons même de créer un corps de fonctionnaires d'AESH. Donc ça, c'est sur le métier en tant que tel. Mais je crois que ce propos, il révèle plus que ça. Et on va le voir pendant tout le débat parlementaire sur la réforme des retraites. En fait, il y a une des choses qui justifie cette réforme des retraites et qu'on voit en ce moment, c'est en fait le mépris social, le mépris de classe des macronistes qui s'est exprimé ces derniers jours et qu'on va continuer à entendre.